Beaucoup de bruit. J'étais en émission radio et j'ai demandé à prendre, comment je vais dire, un instant pour venir en fait à la pause de l'émission radio. Et je tiens tu vraiment. Tu parles avec qui? Bonsoir ou pas? Merci mon petit, il faut savoir comment j'ai dit ça au début. J'ai pas bien entendu, t'as pas attrapé ta petite babichette, hein, mon petit. Non, j'ai dit bonsoir papa. J'ai dit bonsoir papa, j'ai dit ça depuis le début. Ah d'accord, il n'y a pas entendu. J'ai dit ça. Donc je disais en fait que j'étais en émission, j'ai juste pris un instant pour venir en fait pour parler parce que j'ai vu que vous étiez en live et je tiens vraiment je parle vraiment au niveau du micro parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je tiens à présenter mes excuses encore parce qu'en vrai, quel que soit ce qui peut m'envoyer, je ne peux jamais manquer de respect à un doyen sur internet. C'est impossible. Ça, c'est impossible complètement. Et je tiens vraiment à présenter mes excuses. Je pense que je me suis laissé aller. Et je pense que, comme on l'a dit, vraiment, il n'y a rien sur le cœur. Chacun fait ce qu'il a à faire au calme. Chacun fait bien ce qu'il est en train de faire. Et puis, c'est tout. Et papa, je voudrais vraiment que vous dites aux gens que ce n'est pas un buzz. Non, c'est pas un buzz. Il faut vraiment... C'est moi qui ai mal agi en mettant le commentaire. Voilà. Mm-hmm. C'est moi qui ai mal agi en mettant le commentaire. Ce n'est pas un buzz. Et voilà, ce n'est pas un buzz. Je ne veux pas que quelqu'un vienne dire ah ouais, si Axel a fait ça, s'il vous plaît. Si vous pensez vraiment que c'est un buzz, ne parlez pas dans les panels, s'il vous plaît. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Ne parlez pas de moi dans les panels pour ne pas me donner ce buzz-là. C'est très simple. Papa, je m'excuse encore. Je dois aller en radio. Tu es pardonné. L'objectif de mon direct, c'était de l'annoncer. J'ai vu ta vidéo. Considère que tu es pardonné. C'est fini. C'est juste une beaucoup. Merci papa. Et bonne soirée papa. Dieu te bénisse. Merci beaucoup mon fils. Merci à toi, la seule. C'est qui est la seule? C'est qui s'appelle la seule? C'est qui s'appelle la seule qui a envoyé le lion? C'est le corbeau? Corbeau. Moi je ne connais pas de corbeau. Un corbeau ne peut pas venir avec un lion. Un corbeau vient toujours avec un univers. Il faut savoir corrompre le général. Un corbeau ne vient pas. Eva, bien, je sais pas. Un corbeau ne vient pas avec, comme on appelle ça, un lion. Un corbeau, quand il vient chez le général, c'est avec un univers pour montrer qu'elle contrôle tout l'univers. Parce que les corbeaux ont la vision de l'aigle. Fatou, que Dieu te bénisse. Vérostein, que Dieu te bénisse. Et je suis en train de vérifier pour voir s'il y a un blogueur ou un TikToker que je connais qui a lancé aussi son invitation. J'allais prendre cette personne rapidement et autres. Vous savez, Axel et moi, on ne se parle pas. Depuis que tout cette affaire s'est passée, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne voudrait vraiment pas que cette affaire puisse revenir. C'est-à-dire tu sens qu'il regrette beaucoup de choses et ne voudrait pas que ça revienne. Il ne voudrait pas que ça devienne comme un challenge où chaque jour, on reviendra sur cette affaire pour faire des panels, pour développer, pour décortiquer. Finalement, ça épuise. Ça fait mal parce que tu as l'impression que c'est quelque chose que tu veux créer pour revenir dans quelque chose. Que ni lui, ni Kimi, qui est concentré actuellement sur sa vie, ses projets, ses études. Bientôt, Kimi va reprendre son concours de chant. Et vous savez qu'elle aura des juges qui seront les plus grands de ce monde, qui viendront s'associer à elle, qui ont décidé de coller leur image. Bientôt, Kimi aura sa vente de 24 heures. Tous ses produits ont commencé à venir, des nouvelles palettes et autres. Voici ce qu'on doit faire. On doit pousser ces enfants à réussir ce qu'ils sont en train de faire. Et non à les amener à se diviser. Parce que la division vient du diable. Mais la paix vient de Dieu. Moi, Kimi Makoso, je suis un homme de paix. Je ne veux pas que mon histoire, c'est-à-dire mon nom, soit associé à la division. Hier, yeah! J'ai fait des clashs. J'ai pris de l'âge. J'ai 45 ans. Si à 45 ans, je ne sais pas ce qu'on appelle la sagesse de Dieu, et que c'est moi en tant que vieux père qui vais être divisé, je refuse d'avoir ce mandat-là. Même si on me dit que je suis faible, je sais que beaucoup m'ont amené un message général, tu n'aurais pas pu du par Axel. Hey! Chez moi ici, là. Il n'y a pas de démocratie, c'est la dictature. Celui qui a s'amusé avec moi a venu me prendre comme son enfant pour me dire de me donner conseil. Toi, tu m'as toi, tu me donner conseil. Mais soit des femmes qui se rendent dans ton inbox, non, général, tu n'es pas dit, hé, il y a peut-être un mougou, mais quand tu as pleuré, tu ne peux pas me donner conseil.